Nang's Reborn. Wow! Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Sobol. Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Et nous retrouvons pour une vidéo extraordinaire, une vidéo hors du commun. Une femme a décidé de tout nous dire, tout nous révéler ici. Elle va nous dire que ce n'est pas avec toutes les femmes qu'on couche. Sérieux? Elle nous dit que ce n'est pas avec toutes les femmes qu'on couche. Si vous avez l'habitude de coucher avec n'importe quelle femme, faites vraiment très attention. Parce que ce n'est pas avec toutes les femmes qu'on couche. Elle va tout nous révéler ici. Regardez. Et elle va nous dire pourquoi. Pourquoi il ne faut pas coucher avec n'importe qui. Mes frères et sœurs, avant d'écouter ce qu'elle a nous dit, j'aimerais vous dire ceci. Si vous voyez quelqu'un venant sous le commentaire avec mon nom Nyans Reborn comme ça, ok? Nyans Reborn, vous voyez un profil, vous voyez Nyans Reborn, et que cette personne vous dit de faire les dons à une fondation, ce n'est pas moi. Ce n'est pas du tout moi. Hier, j'ai pris mon temps pour vous expliquer et vous donner des détails. C'est un faux profil qui porte mon nom, qui vient pour arnaquer les gens ici. S'il vous plaît, soyez prudents. Quand je vous dis que vous pouvez soutenir Nyans Reborn, je vous ai déjà montré les moyens par lesquels vous pouvez passer. Il y a YouTube Superfans. Dans la description, il y a mon lien PayPal. Il y a aussi un lien qui vous conduira vers mes informations bancaires pour ceux qui veulent faire des virements bancaires. Ce sont uniquement que ces trois moyens là qui existent là en ce moment. Même à la fin de cette vidéo, vous allez avoir plus de détails. Mais si quelqu'un vous dit, oh, voici mon numéro, envoie un don à la fondation, tant, la personne commence à mentir, vous dit que vous donnez des prophéties, vraiment, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi du tout. Ce n'est pas moi. Faites très attention. Si vous voyez, merci de cette vidéo avec le petit dollar en haut, et que vous voulez faire des dons, vous pouvez acheter le Superfunk de YouTube, et vous faites un don par là. Votre message sera en bas, ou bien vous pouvez laisser un message. Je vais venir directement vous répondre, laisser un j'aime pour vous dire merci directement. C'était juste une parenthèse. Maintenant, allons plus loin par rapport à cette affaire. Restez très concentrés. Ne vous laissez pas distraire par le diable qui rôde. C'est ainsi dans le pays. Faites attention. Écoutons. Toyo, c'est pas tous les femmes qu'on sont. Mousso d'obéibo y est et tes mots là. Donc même la voix appréciée vont passer. C'est pas dans tous les pétous qu'on rentre. Il y a des pétous là malais dedans. Tu es parti rentrer dedans, il est du malais dedans. Il y a des hommes aussi, Norodjou aussi, toi femme, tu sois avec lui, tout tu es dans le problème. Le problème, ça finit pas. Tout ça, vous ne savez pas. Vous couchez les gens parce que vous avez envie de coucher les gens. On couche faire tout le monde. Bena la chance te kele, Bena Lolo te kele, Bena la Jinaya te kele. Il y a des hommes, Nana la Jina te tanya, on fait. Même quand tu couches avec eux, là, c'est problème. Il y a des gens aussi, si ton esprit ne va pas avec eux, là, c'est problème. Tout ça, là, sachez faire la différence. Faut pas avoir femme parce qu'elle est jolie, tu t'en couches, elle ne sait pas dans tous les points où on joue. Il y a des points où tu as joué dedans, il y a du problème, t'es bas. Toujours, c'est toi, tu as malheur. Tu as affaire de 100 000, on t'appelle, on te dit qu'affaire est gâtée. Pour rien, tu sais même pas. C'est dans le point où tu es parti rentrer, tu ne devrais pas te retrouver. Ça concerne, sachez faire la différence. C'est pas tous les hommes aussi, on couche aussi. Il y a des hommes, ils ont la malchance. Toi, femme, si tu as la chance, tu t'en couches un homme, il prend ta chance. Souvent, il y a des hommes, quand tu sors, ils ne veulent pas te laisser, mais ils ont dit go, vous savez pourquoi? Il allait regarder, il sait que toi tu es une femme de chance. Il sait que tu es une femme d'étoile. Donc il va aller voir son marabout. Son marabout va lui dire celle que tu sors là, elles sont deux. Mais l'autre là, il ne faut pas jouer elle. Il est tout le temps là. Il va tout faire sentir, mais il est tout le temps là. Si toi tu te demandes, c'est pas que tu es trop jolie. Mais toi tu sais trop faire toilette. Mais toi tu sais trop m'appeler. Non. Il a vu une étoile en toi, il ne peut pas te laisser. Donc faites beaucoup attention à votre vie. Il y a ça aussi. Parce qu'il travaille avec ton esprit. Il prend ton esprit, prend ta chance. C'est pour cela qu'il ne te laisse pas, il est toujours là. C'est pas parce que tu es trop joli, mais il t'aime. Non, il a vu quelque chose en toi. C'est pareil aussi pour un homme aussi. Si tu sors avec un homme, tu sais qu'il a la chance, là, tu ne le laisses pas. C'est ça aussi. Donc, pour vous dire, votre vie, là, faites beaucoup attention. Le sexe, ça, ça détruit. Un homme, là, tu es puissant, comment, là. Une femme peut te faire tomber par le sexe. Tous nos grands types qui sont tombés, là, c'est femme qui les a fait tomber. Je répète encore. Tous nos grands types qui sont tombés, là, c'est femme qui les a fait tomber. Pour vous dire, femme, elle a le pouvoir.
Si femme veut te détruire, de tout. Si femme veut te faire avancer, elle veut te faire avancer. Vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Ha! Elle dit que même si vous êtes le grand des grands, le babatien des babatiens, une femme peut vous faire tomber si son, si son sexe est maudit. Hein? Parce que si vous ne le savez pas, c'est possible. C'est vous aussi de voler là. Les étoiles des gens par les rapports sexuels. Mais oui! J'ai déjà vécu ça! Je m'en souviens, je me rappelle le jour temps passé. Et oui! Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Vous allez commencer à sortir avec une fille, coucher avec elle. À un moment donné, vous allez commencer à voir que vous commencez à devenir faible. Mais vous voyez même ce bloc comme ça. Ah, votre hanche ne peut plus bouger. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ou bien, dès que vous avez rencontré cette fille, ne serait-ce que le fait que vous l'avez rencontré, automatiquement, vous voyez que vos anciens ennemis là, ou même vos vieux ennemis qui avaient disparu là, reviennent en même temps. Ils sont revenus, ils sont de retour. Et ils arrivent là, ils cherchent à vous détruire. Ils cherchent à vous détruire comme s'ils avaient retrouvé de la force. Comme s'ils avaient retrouvé de l'énergie pour pouvoir vous vaincre. En fait, ils vous envoient une femme sorcière. Comme vous avez accepté cette femme dans votre vie, ils se sont dit que oh, vous ont eu. Du coup, comme elle a ouvert la porte, elle vient pour passer maintenant, pour venir vous détruire, pour venir vous anéantir. Vous venez vous faire du mal. Depuis que vous avez couché avec la fille, vous pouvez remarquer que vos portes se ferment. Tu dois aller faire un business ici, ça se ferme. Tu veux aller là, ça se ferme. Ça, ce sont des signes pour, qui viennent là pour te montrer que vraiment, là où tu as mis ton pied là, c'est pas bon. Enlève. Enlève. Enlève ton pied là-bas. Enlève ton pied là-bas. Ça gâte amitié. Enlève ton pied là-bas. Ça gâte amitié. Ça gâte tes business. Ça gâte tes affaires. Enlève ton pied là-bas, oh, ça gâte amitié. Ah! Mais oui! Si tu as ta pied, tes pieds chez elle, tu ne voudrais qu'aller de malheur en malheur et de problème en problème. Comme c'est le cas ici, écoutons. Vous savez, je connais un jeune homme, il a commencé à sortir avec une femme qui était ministre dans ce pays. Cette femme avait une Mercedes, cette voiture était très belle. Et lui, dans le quartier, c'était je staff. Je sors avec madame son excellence, son nom. Il frimait avec la voiture. Le gars est venu me voir dans mon salon. Il m'a dit, prophète, c'est que j'ai vécu. Même si je le raconte aux gens, on ne me croira pas. J'ai dit quoi? Il dit, j'arrive chez elle. Elle me dit, ah, tu es là. Prends un peu la voiture. Va à l'aéroport de Njili. Mais j'aimerais que tu passes par la route de l'ancien cimetière là, en face de Bekatef, Upak, en face de Upak, le grand terrain là, ce fut un cimetière quand on était petit. Le gars me dit, papa, j'ai pris la voiture, vitesse, frime, musique à fond la caisse. Quand je passais, tout le monde m'enviait. Il me dit, dès que j'ai dépassé, voyez, il y a une maison Lambert de Paris là. Il dit, dès que je suis arrivé, j'ai dépassé cette maison. Mes yeux se sont fermés d'eux-mêmes. Il dit, j'ai essayé d'ouvrir les yeux. Rien. Heureusement que j'avais gardé en mémoire la dernière image que j'avais vue de la route. Il dit, c'est comme ça que j'ai commencé à me battre pour mettre la voiture sur le côté, mais le véhicule ne s'arrêtait pas. Elle dit, il me dit, j'ai commencé à crier, Jésus, Jésus, aie pitié de moi. Ah, il crie Jésus, il appelle Jésus, aie pitié de moi. Hey. Quand tu tentais de sortir à la gola, tu ne pensais pas que son argent que tu bouffais là, tu allais rembourser ça. Et qu'elle allait te sacrifier. Ah. Souvent les gens ne savent pas, souvent les gens ne savent pas. C'est pourquoi moi je vous dis, hein, si vous ne connaissez pas l'état d'âme de quelqu'un, ne faites rien à la personne. Ne faites rien à la personne. Ouais. Ouais. Parce que si vous faites quelque chose à elle, hein,
vous allez rencontrer beaucoup de problèmes. Des problèmes que vous ne pouvez pas calculer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, les gens marchent. Les gens marchent comme ça. Regardez, hein? Les sorciers là, voici comment ils marchent. Eux, ils marchent et puis ils ont leurs yeux spirituels ouverts. C'est ouvert comme ça. Bang! Comme ça là, comme ça là, comme ça. Ouais, donc on ramène ça, ça allumé là. Ça commence à allumer. Tout le temps, ça allumé. Quand ils vous disent bonjour, leurs yeux spirituels sont allumés comme ça. Et ils vous regardent bien leurs yeux. Pour chercher à savoir si vous, hein, vous pourrez leur apporter quelque chose ou pas. Qui vous êtes? Est-ce que vous êtes de Dieu? Est-ce que vous êtes du diable? Est-ce que vous êtes de l'écran? Ils le sauront. Parce qu'eux là, ils se connaissent bien. Ils se connaissent très bien. Ils causent même au quartier. Ils causent bien. Ils causent bien au quartier. Mais oui! Ils causent. C'est-à-dire que les yeux sont allumés comme ça. Bien allumés. Et vous regardez. C'est comme ça, vous aussi, vous devez avoir les yeux bien ouverts, bien allumés comme ça aussi. Pour bien voir qui est qui. Avec qui vous marchez. C'est ce qu'on appelle les yeux spirituels. Les yeux spirituels, pour voir la fille qui est devant vous, là, c'est qui? Pour voir l'homme qui est devant vous, là, c'est même qui? Quand on dit c'est qui, ça dit est-ce que c'est un sorcier ou bien c'est un fils de Dieu? Si c'est un sorcier, éliminé. Si c'est un sorcier, éliminé. Si c'est un sorcier, aïe, 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 le feu de Jésus, le feu de Saint-Esprit, le feu de Jésus. Parce que si tu joues à elle, le diable va te montrer que lui n'est pas là pour rigoler. Et elle va te montrer qu'elle est en mission. Elle est là pour détruire les gens. Détruire la vie des gens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, vous devez comprendre que les gens ne sont plus simples. Les gens ne sont plus simples au pays. Si vous pensez que tout le monde est bon, tout le monde est normal, et qu'il n'y a pas de problème, vous mentez. Nous sommes en guerre ici sur la terre. Les gens ne sont plus simples, mais les sorciers qui sont dehors. Il y a plus de démons dehors que nulle part ailleurs. Allez là. Surtout que nous sommes en période de fête. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Les filles qui viennent vous séduire. Jean, toi tu es un gars, tu as un peu d'argent. Tout à coup, tu vois que c'est la fête qui est arrivée. Et tu vois des filles qui viennent s'allier devant toi. Tu as l'impression qu'elles cherchent à te séduire, mon frère. Mon frère! Allez, là, si tu vois ça, dis-toi que les filles que tu vois devant toi, là, ce sont des sorcières. Tu ne leur as pas dit que tu occupes tel poste, mais elles sont informées de ça parce qu'elles t'ont vu spirituellement parlant. Du coup, elles viennent sur le terrain pour te séduire afin de te racler tout ce que tu as, même le peu que tu as. Mais oui, si tu ouvres la bouche pour aller les draguer, les draguer seulement. Elles ont fait un petit semblant, une genre semblant, oh, comme si elles ne sont pas intéressées. Mais alors qu'elles sont bien intéressées, elles se cachent, c'est te bouffer ta thune sur cette ton étoile comme jamais. Comme jamais. Faites très attention. C'est la même chose avec les femmes. Les hommes qui veulent vous séduire en cette période, sachez que c'est la fête qui arrive. Si la société sait que vous avez besoin d'argent, ils vont envoyer un homme devant vous. Un homme friqué, un homme qui genre d'apparence qui a de l'argent pour vous séduire. Maintenant que vous allez tomber dans son piège, monter dans sa voiture même là, il va tout faire pour coucher avec vous. La première chose qu'il va chercher à faire, c'est de coucher avec vous. Parce qu'il y a quelque chose qui veut prendre en vous. Et il y a quelque chose de mauvais qu'il veut vous donner. C'est-à-dire votre blessé va prendre ça. Et puis il va vous donner lui sa malédiction là. Sa malédiction là, sa poisse là. Sa poisse là. Il va mettre son vous. Juste à partir d'un rapport sexuel. C'est très facile même de nos jours. Même donner bise à quelqu'un de ses problèmes. Oui. Même marcher avec quelqu'un, juste marcher seulement. C'est aussi problème. Personne ne peut marcher avec un serpent venu, mais à côté de lui. C'est comme ça qu'il faut faire très attention. À ce que vous rencontrez d'ailleurs. Ne laissez plus personne rentrer facilement dans votre vie. Contrôlez-les spirituellement. Dès que tu vois une personne qui te dit « Oh, bonjour ma chérie, t'es belle, vraiment j'aimerais être avec toi. » Automatiquement, tu te dis « Ok, il n'y a pas de souci, j'ai compris, mais laisse-moi réfléchir. » Dans « Laisse-moi réfléchir » là,
Tu vas prier. Tu dis, Seigneur, voici un homme qui est venu vers moi. C'est qui? Celui-là, c'est qui? Quel est son état d'âme? Si Dieu te montre que ce gars, c'est un sorcier envoyé par le diable, il veut te sucer, il veut te manger, il veut te bouffer. Automatiquement, ma chérie, tu te caches de cette personne. Tout ce qu'il va te dire après, tu refuses. Même s'il te propose de l'argent, même s'il te propose beaucoup d'argent, ma chérie, il faut refuser. Faut pas dire que Dieu t'a dit que c'est un Satan qui est là, mais là. Fais attention, hein. Sinon, c'est ta vie va acheter. C'est ton âme qui va prendre parti, va gagner ça. Fais très, très attention, hein. Très attention. Je suis ici, chère Soubonne, pour vous révéler les vraies choses. Si vous n'êtes pas bon abonné, vous la cloche et c'est prêt. Encore une fois, mes frères et sœurs, méfiez-vous des faux profils qui utilisent mon nom, qui viennent en commentaire pour vous demander d'envoyer de l'argent à leur fondation ou quoi que ce soit. Vous pouvez juste faire des dons à partir des moyens que j'ai établis qui sont ici. Regardez la vidéo suivante et vous pouvez même regarder dans la description de cette vidéo, vous allez voir un lien PayPal ou bien YouTube Superfink si ça apparaît chez vous. Regardez la vidéo pour en savoir plus. Ok? Que Dieu nous protège. Hein? Ouais. Que Dieu nous protège. Ce monde, ce n'est pas un bon monde. Vraiment pas un bon monde. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à activer la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir, dans la description, c'est toutes les informations qu'il vous faut pour le faire. Vous pouvez aussi faire des dons via YouTube Super Things. Vous voyez juste merci en dessous de cette vidéo et vous suivez les instructions. Merci à toutes les personnes pour nous soutenir. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Nyansoubonne. Soyez prêts!